une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai enfin reçu ma petite foulard bleu. Bye bleu, la vie en bleu. Enfin, je sais plus, je suis trouvée. Qui était en collaboration avec LNLC, dont je vous mettrai le lien sous la vidéo. Si j'ai bonne mémoire, c'est elle qui a choisi le foulard, le cosmétique et le sac pour ceux qui ont pris la grande. Moi, j'ai pris la petite parce que je suis pas très sac. Voilà, pour une raison très personnelle. Les sacs, c'est une bonne idée, mais moi, j'aime pas trop ça. Donc, j'ai pris le modèle où il y a un cosmétique, un foulard et un bijou. Voilà, je vous remettrai le prix sous la vidéo parce que j'étais tellement surprise. D'ailleurs, je te remercie Céline, parce qu'elle s'appelle Céline, la fille qui fait la foulard box. Et je t'ai envoyé un email ce matin en disant qu'il n'avait pas reçu. Donc, il faudra que je récupère les tirs en disant que je l'ai reçu. Voilà, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Je vais vous cacher mon adresse, tant qu'à faire. J'ai reçu en lettres, comme ça. Et en bas, c'est marqué la foulard box. Alors, je n'ai pas regardé les vidéos de ceux qui l'ont reçu. Hein. J'ai eu un aperçu un peu du foulard. Parce qu'il y avait les photos, mais j'ai essayé de ne pas l'ouvrir pour avoir la surprise. Alors, normalement, c'est bleu. J'espère avoir du bleu. Hein. Voilà, ça présente normalement, ça va être normal. Avec moi, il arrive toujours des trucs bizarres avec la foulard box. Hein. C'est ma fille. Ah, voilà. Là, je suis trouvée. Voilà. Il y a la petite étiquette derrière. Puis j'ai un petit mot gentil qui me dit merci pour cette commande. J'ai un petit mot écrit, gentil, dans un petit pochon bleu. Voilà, avec le papier blanc. Le thème, c'était le bleu. Oui, je suis un peu troublée. Hein. Je vous dis, j'étais tellement surprise de la recevoir ce matin. Après avoir envoyé un email en plus comme quoi je l'avais pas reçu, je suis à peine gênée quoi. Enfin, pas grave. En mieux. Alors, on forme déjà de tout sortir. Enfin, je vais essayer de tout sortir et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Parce que j'aime le bleu. Donc déjà, elle est bleue. Alléluia. Parce qu'une fois, j'avais pris la spéciale prune, je crois. Ça, j'avais reçu un foulard rouge. Voilà, c'est pour la petite histoire. Alors, j'ai un petit mot plastifié qui a été écrit par LNLC et ma foulard box, puisque c'est LNLC qui a choisi les accessoires. Bon, il n'y a rien de personnel, hein, tout le monde a reçu un petit mot plastifié. La vie en bleu, voilà, c'est le thème de la foulard box. By LNLC et ma foulard box. C'est quand même plus sympa que de broyer du noir. J'ai voulu cette box bleue tout simplement pour aider à faire revenir le ciel bleu qui me manque tant en ce moment. Je deviens une adepte des pochettes. J'ai donc craqué tout naturellement sur celle-ci. Son aspect damassé est superbe. J'espère de tout cœur que celle-ci vous plaira. Voilà, en tout cas la petite carte est très sympa avec des fleurs bleues, on va dire, au fond. On fait un petit zoom, je vois pas très bien que le temps est bizarre, c'est gris, c'est. Voilà, c'est un peu voilé. Alors, je vais vous montrer le foulard que vous avez déjà dû voir. Il y a des petits pois. J'avais reçu un déjà avec des pois, mais ça me gêne pas. Et il y a des fleurs, comme vous voyez. Voilà. En pois. Alors, après, il a l'air assez. De la marque. Intrigue. Attendez, on voit plus mon visage, je crois, que l'étiquette. Voilà. C'est un peu rosé, ouais. C'est bleu avec rose très pâle. Voilà. Elle est grande. Ah ouais, attendez, là, je... Ah, il est immense. Voilà, je vous ai tous des faits. Bon, vous voyez les pois, on voit à travers. Et il y a des petites fleurs. Voilà, on va rapporter. Il est sympa.
ça se termine avec des fleurs. Je fais un petit essai parce que des fois il faut le voir. Et... ah si, j'aime, ça me va bien. J'avais reçu un avec des pois de notre box, mais c'était noir et blanc. Un peu chaud peut-être, mais... ouais, il me va bien, j'aime bien. De toute façon, moi, dès que c'est bleu, c'est gagné avec moi. Alors, avec ça, alors, il y a des grosses boucles d'oreilles. Voilà. Elles sont jolies, je ne sais pas si elles vont m'aller. Je vous montre, je vais sortir. Hélène aime les gros bijoux. Mais vous voyez, je ne mets pas des gros bracelets ou des grosses boucles d'oreilles. Oh mon Dieu, elle est vivante. Voilà. Il y a deux petites fleurs. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Bleues. En plastique, je dirais. Voilà, on doit bien les voir. Qui sont très estivales. Un peu grosses, mais attendez, il faut que je vois porter peut-être sur moi. Je vous enlève déjà ce que j'ai. Ces petites bouteilles. Hein. Voilà. Et je vais essayer de rien. Petite attache de sécurité. Pour ceux qui le voient. Il faut que je vois porter. Parce qu'il y a des fois, il y a des trucs que je ne porterai pas qui me vont. Avec, il y a un strass au centre. J'arrive à trouver le trou. Hein. Moi je le mets par-dessus mes diamants, j'arrive pas à les retirer mes diamants. Il y a un clip de sécurité. Et ça peut le faire. Elles sont assez transparentes, donc ça me choque pas. Vous voyez, si elle aurait pas été transparente, à la limite, ça aurait fait plus lourd. Si. Puis c'est du plastique, je ferai pas d'allergie parce que je suis assez allergique au métal, vous savez, des boucles d'oreilles. Non, elles sont jolies, en plus c'est un peu alvéolé, si vous voyez derrière. Non, ça va. Puis c'est une matière que je supporterai. Ouais, si. Oui, il faut que je le voie porter, moi. Hop, je remets l'autre. Et je dois avoir le petit vernis bleu qui va avec. Excusez-moi, je fais durer le suspense avec mes bêtises, là. Voilà. Là, c'est la petite deuxième. Et ça fait un bel ensemble. T'as bon goût. Hop. Et avec ça... ah, Kiko. Tiens, mais ça change. Ça change d'habitude, c'est la marque Avril. Très contente d'avoir reçu un petit vernis Kiko. Il est un peu bleu. Bleu un peu nacré, on dirait. Pas sourire. Ah, j'aime beaucoup. Bon, là, je ne suis pas dans les bleus sur mes ongles. Hein. C'est du vernis permanent. Mais je peux en mettre par-dessus. Non, j'aime beaucoup. Et que j'apprécie énormément que ce ne soit pas la marque Avril qui mette habituellement. Et Avril, je commence à saturer. C'est pas que j'aime pas, mais j'aimerais bien qu'il y ait pas toujours les mêmes marques en cosmétique. Voilà, ça serait sympa. Parce que toujours mettre la marque Avril, c'est... moi, en tout cas, ça me lasse un peu. Kiko, j'aime beaucoup. Voilà, mais écoutez, globalement, je m'attendais, j'avais des appréhensions parce que je l'ai beaucoup attendu, que je l'ai commandé le 10 juin quand même. Donc, je l'ai reçu qu'aujourd'hui. À part qu'elle me tient chaud, hein, l'écharpe, mais elle est très jolie. En plus, je suis dans des tons, vous voyez, j'ai mis mon petit t-shirt marin. Non, ça c'est... je la mettrai, ouais. Sincèrement, elle me plaît. En toute honnêteté, je l'aurais dit, parce que j'avais un peu les verres de l'attendre depuis 2 semaines, on va dire, voilà. Et il y en a une prochaine, là, qui va sortir pour juillet, je crois que c'est rouge. Et je regardais entre guillemets parce que j'attendais déjà celle de juin. Voilà, et puis il y avait une qui était un peu plus chère et il y avait un sac.
pour celles qui aiment les sacs, je ne l'ai pas vu, donc du coup je regarderai la vidéo d'Hélène LC, parce que le sac, je ne sais absolument pas à quoi il ressemble. Mais contente, globalement, moi je suis contente. Allez, je vous fais un bisou, peut-être que je prendrai la prochaine en petit format. Voilà. Comme je boite, je ne mets pas tellement de sacs, sinon il glisse sur mon épaule, j'ai plutôt un sac à dos, voilà, si vous voulez tout savoir, mavie.com. Allez, bisous, à bientôt.